Bienvenue à tous pour cet événement majeur, la Bouling Promotion Cup 2011, ici à Châteaubriant. Pourquoi cet événement dans votre bowling ? Eh bien écoutez, quand la Promotion Cup nous a proposé d'organiser cet événement, on a trouvé ça bien. Ça permet de faire la promotion de la ville de Châteaubriant à travers le sport et exporter cette image à l'étranger. La particularité du bowling de Châteaubriant, il est parfaitement adapté pour organiser cette manifestation dû à son cadre qui est convivial et chaleureux. Are you ready? C'est la première fois que vous participez à la Bowling Promotion Cup. Quelle est la raison qui vous a donné envie d'y jouer? It's the first time you are participating in the Bowling Promotion Cup. What made you want to participate? I think this event is very good for our sport because we need a promotion. And bowling is actually a big sport in many countries. There's many people trying it, the sport every day. So, and of course, coming here to France, I never been here before in Châteaubriant and not even Monaco. So I think that was the two biggest reasons why I wanted to show up. Vous êtes deux Russes à représenter votre pays durant ces épreuves et nous sommes ravis de vous accueillir. Alexander, à 17 ans, vous voici le plus jeune joueur à participer à cette compétition. Que cela vous inspire-t-il? You are two Russians representing your country in this challenge and we are happy to welcome you. Alexander, you are the youngest player to participate in this tour. What do you feel? I want to thank our organizer for this championship and I'm very glad to participate in it and the main point is of my participation is to show how the beautiful game and to show people that bowling is not only for fun but also it's a big sport. Phil, en 2010 vous étiez le vainqueur du simple. Quelles sont vos ambitions pour ce tour? Phil, you win last year. Did you think it's possible to repeat this performance? Yes, I think so, but this year will be very tough because there are more competitive with like Dennis Eklund, Matt Miller and Dwayne van Zandwijk. They are very good players, so it will be tough, but I think so. Nous avons changé de format, qu'en penses-tu? Last year we changed the format with 4 TV shows, what do you think? 4 TV shows, yeah. It's more funner, you have more time to for the play the TV and more experience for the television, so yeah, quite nice. Matt Miller, pensez-vous être prêt pour l'épreuve qui se joue aujourd'hui sur les pistes de Châteaubriant? Croyez-vous avoir vos chances pour remporter la finale individuelle à Monaco? Matt Miller, do you feel you are ready for the challenge that is taking place in Châteaubriant today? Do you believe you have a chance of winning the individual finals in Monaco? I'm ready for the challenge. I've been working hard on my game, training hard, so I'm really looking forward to the challenge. It's great to be here. It's a lovely place, so looking forward to the week ahead and yeah, you know, there's a lot of great players here this week, so it's going to be tough to win. But, you know, I wouldn't be here if I didn't think I was good enough, so hopefully it'll be a good week. Looking forward to it. Dwayne, it's the first time you are participating in the Bowling Promotion Cup. What made you want to participate? I saw my friend Phil Hulse playing last year on the first edition of the Bowling Promotion Cup. He also won, so it's pretty cool. He got lots of attention of it too, so when I was asked, my answer was immediately yes. Do you believe you have a chance of winning the individual finals in Monaco? Well, I think the chances for all the players will be pretty the same. The pattern I seen was pretty easy, so it's a contest of shooting with the most carry. I think I will have a chance, but it will be very hard. C'est la deuxième année qu'on organise cette manifestation. On est très content d'être venu en Principauté de Monaco cette année pour réaliser les finales. Nous avons réalisé aussi 4 émissions cette année au lieu de 2 l'année dernière. Et nous avons eu donc 8 joueurs au lieu de 5 et 6 nations. Du IKMF, bien sûr, est un acteur majeur du monde du bowling.
Et c'était un petit peu normal qu'on participe en tant que sponsor de cette opération. Il y a relativement peu d'opérations télévisées actuellement en Europe. Et je dirais on a pris cette opération un peu à la base grâce à Bruno. Et en fait, notre rôle, c'est de la mener, cette compétition, à un niveau beaucoup plus élevé. Qui sera, à mon avis, dans les 2 ou 3 ans qui vont venir, soit une Ryder Cup avec Europe, États-Unis, soit même, grâce à Monaco, peut-être lancer le premier Open de bowling de Monaco, ce qui pourrait être la suite des Open de tennis qui se déroulent déjà dans la principauté. Et c'est pour ça que que l'on a choisi Monaco, que Bruno a choisi Monaco pour qu'il y ait un démarrage du bowling dans cette petite partie du sud-est de la France. C'est aussi une démonstration de la vivacité du bowling et du dynamisme de cette activité loisir et sportive.